Il est 3h35. Nous sommes précisément à Angrée, 9e tranche, où un immeuble R+4 s'est effondré aux environs de minuit. Selon les renseignements des pompiers, c'est à minuit qu'ils ont reçu l'alerte. Donc nous sommes sur les lieux où des badauds essaient d'aider les pompiers à pouvoir sortir des survivants de ce bâtiment. Des survivants ont déjà été extraits de cet immeuble. Selon les premières informations recueillies auprès des secours, il y a 13 personnes qui ont été évacuées au niveau des chutes d'Angrée et de Cocody. Pour rappel, c'est le deuxième immeuble qui s'effondre à Abidjan en l'espace de 10 jours. En février dernier, c'était dans la commune de Trècheville, le 27 février. Et en mars 2021 aussi, du côté d'Anono, un immeuble s'était effondré. C'est des cas de plus en plus récurrents. Pour l'instant, les secours n'ont dénombré aucune perte en vie humaine. Selon les informations, il y a encore des personnes sous les décombres et les pompiers essaient de les retirer. Thank you.
Les pompiers sont déployés depuis minuit et selon les informations de certains témoins, des personnes qui ont réussi à sortir de l'immeuble, il y aura encore des personnes sous les décombres. Donc les pompiers vont déployer les moyens lourds. On attend l'arrivée d'une pelleteuse pour pouvoir accentuer les recherches. Donc je rappelle qu'il y a déjà eu 13 personnes évacuées, 13 personnes qui ont été évacuées par les secours au niveau des chutes de Cocodier et d'Angri. Et avant l'arrivée des secours, selon les témoins, certaines personnes avaient déjà été évacuées. Le GSPM, la Gendarmerie nationale, la police sont sur les lieux. Voilà l'arrière de la façade, l'arrière de l'immeuble. C'est un immeuble d'une vingtaine d'habitations et selon les renseignements pris auprès des pompiers, il y aurait 18 appartements qui étaient habités. 18 appartements habités. Que dans leur volonté d'aider les gens, ils tombent.
Donc il y a encore des personnes en bas. Oui, il y a des gens dedans. Ils disent sa fille dormait au salon. Les autres étaient dans les chambres, ils ont accès, mais le salon, là, tu ne pas là, ils n'ont pas. Même si c'est pour que vous changez, il enlève la partie de. Voilà, de là au moins, on peut, là, on peut casser voir, pour. Voilà, on peut casser, si voilà. Non, ce qui est en bas ici, là, ce qui est en bas là, si ça quitte, on peut percer et puis voir le bas. Mais si ça, chose qui te. Faut pas que le haut là vous tombe. Non, ça ne peut pas. Le haut là est parti là-bas, ça ne peut pas. Il faut raser un peu en bas ici. Il faut raser un peu en bas ici. Voilà. Parce que où ils sont arrêtés là? Juste là. Et puis tu as mis la position à me dépasser. Ah, donc ça s'est enfoncé. Fait tomber à l'issue de côté. Oh là là. Bien, premier. Ouais. Sinon, ça c'est. Ouais, on a. Bon. Là, c'est le chaînage. C'est bouclé là. Sinon, on a essayé de regarder un peu. Faut forcément. Fais du sang. Non, ça c'est une patte. Ce qu'il y a là, ça c'est une patte. C'est une patte, ça c'est pas. C'est une patte, on dirait que c'est dans la cuisine, donc. Pas de tomates. On va essayer de faire le tour du bâtiment. Moi, j'ai vu l'information de ce qu'ils ont fait là. Donc, pour rappel, nous sommes à Engrais 9e tranche, non loin de l'immeuble CGK, où depuis minuit,
les pompiers ont reçu l'alerte. Un immeuble de R plus 4 qui s'est effondré. Voilà. Et depuis cette heure-là, les pompiers sont sur le terrain, aidés par la police et la gendarmerie. Vous voyez un peu? Vous voyez les gravats sur les véhicules? Vous voyez les gravats sur les véhicules et tout. Merci. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. Non, je peux pas l'identifier, c'est le direct de la RTI. Vous pouvez aller sur la page de la RTI. Voilà, je suis en train de marcher dans le... Il n'y a pas de souci. La RTI, c'est le service. Donc pour rappel, c'est aux environs de minuit que les pompiers ont reçu l'alerte et se sont déployés sur les lieux. Donc il est 3 heures. Depuis 3 heures de temps, les équipes ont essayé de sortir des personnes dans les débris. Là même dans le bâtiment, il y a encore des pompiers qui sont en train de rechercher des victimes.
Il faut préciser qu'il y a déjà des personnes qui ont été évacuées au niveau des chutes d'engrais et de cocodis. Il y a pour l'instant, et heureusement, bien heureusement, aucune perte en vie humaine. Les recherches continuent parce que c'est un bâtiment R+4 et comme vous pouvez le constater, il s'est affaissé. Dimanche passé. Dimanche, on va. Très vite, là, non, c'est dans la nuit du samedi ou dimanche.
Oui, c'est dimanche. Même si c'est dimanche, on peut encore parler. Le dehors dedans. Qui ça? Le capitaine là-bas. Ouais. Allez, chien. Check. Tu vois où il y a le lit là? Va. Donc nous sommes présentement à Angré, dans le quartier situé derrière l'immeuble CGK à la 9e tranche. Et c'est à minuit que les pompiers, les secours ont reçu un appel d'urgence comme quoi un immeuble Airbus 4 s'est effondré. Donc depuis minuit, les équipes sont sur le terrain avec les chiens et elles ont permis déjà de sortir 13 personnes. Qui ont été évacués, plus de 13 personnes, oui, mais 13 personnes ont été évacuées au niveau des chutes de Cocody et d'Angré. Là, les équipes sont encore en plein travail. Il y a des pompiers à l'intérieur de l'immeuble, voilà, qui continuent de fouiller dans les décombres. Et certains sont encore dehors, la police, la gendarmerie ont quadrillé les lieux. Et les secours attendent encore l'arrivée de machines de pelleteuses pour pouvoir accentuer les recherches. Tu as refermé ? Thank you.
Les gars, là, 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 les gars, là